Et yo tout le monde, c'est Aiko et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de ce Let's Play découverte sur le jeu Pokémon version noire 2. Épisode 8 un peu particulier puisque nous sommes en compagnie de T-Phoenix. Salut T-Phoenix. Hey tout le monde. Donc T-Phoenix, vous avez bien compris, c'est celui-là. C'est... Je suis bizarre. Oui, tu es bizarre, oui. Et avant d'aller à la recherche de ce que T-Phoenix m'a appris de l'emplacement, c'est très français ce que j'ai dit, on va parler à Monsieur Médaille. Grosse dépense, d'accord. J'ai rien dépensé du tout, mais c'est pas grave. Ah d'accord, c'est tout. Donc, vas-y, dis-nous ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. Une pierre foudre. Alors, apparemment, d'après, parce qu'on a fait des recherches entre temps, enfin surtout lui, moi j'ai pas vraiment cherché en fait. Non, voilà. La pierre foudre se trouverait, enfin, il y aurait une pierre foudre dans les égouts où nous avions capturé Evoli. Donc, guide-moi, parce que je sais pas du tout où c'est. Alors, normalement, là, tu utilises un repousse et tu marches un peu partout jusqu'à qu'il y ait un sol qui remue. Enfin, une espèce de poussière. Donc, marche un peu partout. D'accord. Allez. Ouais, mais j'ai pas encore la flotte qui est apparue, moi, donc. Je peux pas encore me déplacer librement. Et où est-ce qu'ils apparaissent à peu près les... Partout. Et d'accord, en fait c'est rare quoi. Ouais, rare, mais bon, enfin, je crois pas que c'est ici là, sur ces murs là. Ah, attends, teste là. Non, t'as pas l'eau. Bah, marche un peu, t'as pas les chaussures de sport? Si, mais c'est parce que j'ai envie de regarder rapide, je fais du repousse. Merde. Mais est-ce que tu peux rencontrer des Pokémon ici? Oui. Ok. J'ai plus qu'une repousse, mec. Mais allez, pierre fou s'il te plaît. Donc tu vas avoir une espèce de tourbi sable. Je sais pas quoi, enfin de tourbi sable. Mais je vois pas. Oui, mais c'est rare. Et c'est Et apparemment il y a un Pokémon fort parce que. Ouais, Pokémon fort. C'est très Pokémon fort ça. Fort. Il est très très fort. Donc je pense que vous entendrez pas le son du jeu parce qu'il est moins important que Phoenix. Parce que Phoenix est très important, c'est méconnu. Ouais. Alors à qui j'ai donné plus pour le... Bah, voilà, tu m'as compris. Ouais, là, tu peux courir. Enfin, vas-y, cours ici, là. Voilà. Tu fais que courir non-stop. S'il vous plaît. Mais en fait, c'est super rare, en fait. Bah, sur le pont, sur le port, t'as pas dit que tu voulais un Osferalto tout. Ouais mais non, en fait j'ai réfléchi entre les deux épisodes, je parle aux gens qui regardent, à l'équipe finale, donc j'aurais bien pris un Osferalto, mais l'équipe finale sera plutôt composée de Arcanin, le starter O, c'est comment? Clamiral. Oui. Et bien ce sera Clamiral, un Lucario, un Brutapod, Voltali et Zoroark. Voilà. Mais on est obligé d'avoir une repousse pour trouver une pierre foudre. Non. Mais c'est pour partir rencontrer des Pokémon en fait. Mais imagine si ça apparaît et tu rencontres un Pokémon juste devant, t'as la rage quoi. Ah, et après il disparaît. Ouais. Y'a plus de repousse. Bon bah tu le chercheras plus tard. Ouais. Je chercherai entre les deux épisodes, je pense. Parce que j'ai l'intention de faire deux épisodes en featuring avec T-Phoenix. Donc je vais me permettre d'accélérer un peu. Pas bien. Voilà. Donc on va sortir de là. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a... Regarde, attends. Les autres endroits où il y a de... Une pierre foudre. Je regarde. Château de N. Bah ça c'est dans la... Dans les boutiques à la Ville Noire, Métro de Combat et PWT. C'est où ça? Métro de Combat, ouais bah... Où est-ce que c'est? À la grotte électrolyte. Mais à la grotte électrolyte, tu es dans quelques épisodes, donc si t'arrives pas à trouver dans les égouts, on fera ça. Ok, donc où est-ce qu'on doit se rendre maintenant? Je sais plus du tout. T'as fait l'arène? Ah non, j'ai pas fait l'arène, non. C'est type insecte, non? C'est ça. Donc on va laisser... Merde, c'est pas là, non. Quoique. Non, c'est pas là. On va laisser... Esflame en première position. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai beaucoup de femelles dans mon équipe. J'ai Esflame qui est femelle, Aquasonic, Gigaru c'est un mâle, Petit Poison est une femelle, et toi t'es un mâle. Il y a deux mâles pour quatre femelles. Pour trois femelles. C'est ce qu'on appelle une... Non. What the fuck?
Déjà, c'est quoi cette arène? Ah ouais, mais Pokémon Noir, ça change. Enfin, Noir 2, ça change hyper du premier, quoi. Parce que j'ai joué rapidement, je me souviens, il y a quelques années, en accéléré avec plein de super bonbons, je me souviens, Code Action Replay, pour avancer rapidement dans le jeu et. Ah En fait, oui. j'explique que normalement dans le jeu original, enfin dans le premier, Ouais. t'es censé avoir des murs de miel et les traverser. Ah oui, je m'en souviens. Et là, What the c'est. fuck? Ah, oh, c'est quoi cette arène? Bah écoutez les gens, je découvre avec vous. Il y a un dresseur là, c'est obligé. Ah, ah non. What? Mais c'est épique. Je connaissais pas cette arène. Mais en tout cas, c'est un sec parce qu'il y a des fils. Ouais. Ah, bah écoutez, on va leur faire mal quoi avec. Avec Asflem. Un peu surréaliste cette arène, non? Je lui trouve un charme étrange, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai remarqué un truc, les animations des Pokémon, elles sont un peu bizarres dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est pas vraiment les animations, c'est juste qu'ils... comment dire, ils font un culbutoc, ils culbutoc. Tu sais, ils tremblent. What? Ils sont level 20, mais j'ai pas le niveau. Ben, ça se complique, hein. Ouais, salut. Mais pareil pour la première arène, non, deuxième, j'avais pas mal galéré aussi. Alors si vous voyez que j'ai énormément d'expérience, c'est parce que S-Flame a le multi-expérience. C'est deux fois plus ou 1,5 fois plus? Je vois. Est-ce que d'ailleurs tu peux regarder au rengorgement combien de fois ça booste l'attaque s'il te plaît? Rengorgement, c'est une attaque que j'ai apprise à Gigaru il y a 5-6 épisodes je crois. Ouais. What the fuck? Tu veux quoi t'as dit déjà? Rengorgement. Tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit pardon? Non. Tu veux voir quoi? L'attaque rengorgement, combien de fois ça booste l'attaque? Oh ok. De quoi faire ça? Ça baisse quoi? La défense ou les défenses spéciales? Ah non, l'esquive, ah, j'ai complètement à côté. Des fois, je vais faire mon mec connaisseur par rapport à la couleur des bulles. Ah, ça lui baisse l'attaque. Ah non, ça lui baisse la vitesse. Donc, je me fais des fails comme ça. Couverture. Je pense que S-Flame va passer niveau 19. Et est-ce que tu sais où aussi, où est-ce qu'on peut avoir des pierres feu? Pierre-feu, bah, je vais faire ça après. Ça rien faire, ça. Eh putain, pour une attaque plante, ça fait mal. Hein. Engorgement, j'ai. Donc, passage niveau 19, normalement. Voilà. Pouvoir 30. Contre, ça fait quoi ça déjà? Bah, y'a pas marqué en fait. Je vois pas ce que tu veux dire par ça augmente combien de fois l'attaque. Le lanceur ne retient plus ses coups, plus ses PV sont bas et plus l'attaque est puissante. Ouais, l'attaque, pas l'attaque spéciale, c'est ça le souci. Et donc, si tu veux voir les stats à propos de ça, je crois qu'il faut que tu appuies sur. Select. Voilà. Moi j'appuie sur A. Non, mais genre l'attaque, là où tu vois les 4 trucs là, t'appuies sur Select et t'appuies sur A et au lieu de lancer l'attaque, ça fait. Donc, je crois que c'est sur L ou R, ouais, je trouve ça. Ouais, mais contre, c'est pas bien ça pour SLMC. Non, c'est bien pour le cario. Mais remplace fer, c'est de la merde. Quoique ça. Oh merde, ça aurait pu être utile, flair. Non. Il y a contre un Pokémon qui craint pas les attaques feu. Peut-être, peut-être. Ouais. Premier dresseur terminé. Non, c'est pas le premier, mec, hein, c'est le deuxième. Ah ouais. Tu tombes en bas. Et là, faut que tu te combattes ma soeur. Et je crois que c'est le dernier, non? Oh, je suis pas sûr. Tu te barres le chemin, tu n'iras pas plus loin. Mais c'est des clowns ou quoi ces mecs? J'ai pas fait gaffe. Oui, c'est des clowns. Est-ce que ta vision elle est saccadée? Parce que quand je regarde la conversation Skype, j'ai l'impression que ton partage d'écran est saccadé, non? Non. Ah, ou alors c'est de mon côté que c'est saccadé. S-Flame. Ah bon, petit arcalaire après? Ah ouais. J'ai regardé un truc. Je vais aller regarder un truc de moi-même là pour l'instant. Hop, vous allez voir internet. Ah non, c'est bon.
Parce que oui, moi, avec l'émulateur que j'utilise, je peux aller sur deux fenêtres en même temps. Un Krabby Coq. Lui, il est type insecte roche, non? Oui, c'est ça. Donc j'ai envoyé Aquasonic. Quoique, il est bien trop XP. On va envoyer Gigaro. Voilà. Caninos. on va faire forte paume. J'aurais pu faire engorgement. ça augmente l'attaque, c'est tout. J'ai l'impression que je l'ai pas fait très mal. J'ai pas vu. Tu veux faire engorgement. Ouais, Kalino, ça prend plus chaud au niveau 21. J'ai plus de détails sur les égouts maintenant. Sur la page où je suis. C'est-à-dire. Il y a plein de dresseurs. Ah ouais, mais donc ici tu vas y revenir après. Donc il y a les. Je ne ferai pas évoluer Canino son arcana avant un bon moment. Parce qu'il apprend que les attaques de merde après. Je pense au niveau 50, je pense que je devrais évoluer. Mais je vais dire que c'est quoi le niveau optimal après. Ouais, pour moi, le niveau optimal c'est 45. Dès qu'il passe niveau 45, je le fais évoluer parce qu'il apprend boute au feu au niveau 45. Bon, alors... ça me saoule, je vais envoyer Aquasonic. Dans les égouts, il y a la CS Force. Je l'ai. C'est le rival qui l'a donné. Aïe. Coquillam. Non. Il a marqué. Il n'y a pas de pierre foudre. C'est quoi ces conneries? Bah, ou alors c'est juste des grosses conneries dites par. Par les mecs. Alors, est-ce que dans la grotte machin, il y a la pierre foudre? Oui, il y a la pierre foudre dans la grotte électrolyte. Bah, d'accord. Donc c'est dans la grotte. J'ai pas envoyé Téphénix. Non, j'ai pas envoyé. Je crois que la grotte électrolyte, c'est vraiment juste après quoi. Ouais, tu peux. Me dis pas les villes qu'il y a entre temps, mais dis-moi combien de villes à peu près il reste avant d'y aller. Bah, juste après cette ville, il y a la grotte. Ah ok. Bah oui en fait. Mais parce que moi dans Pokémon Noir c'est hyper loin dans le jeu. Alors que là en fait t'es proche puisque la map elle est inversée par rapport à Noir. En fait tu commences à la ligue Pokémon et après tu commences avec ton starter. Je vois. Tu te bats au corps à corps contre un Dracolos. Alors à ton avis où est-ce qu'il faut aller? Ah ouais, donc tu feras les égouts un peu plus tard. Où est-ce qu'il faut aller? Bah là. Non, parce qu'il y avait, il y avait une autre possibilité, voilà, qui était celle-là. Ah, oh, c'était un raccourci pour éviter le dresseur. Oh, génial. Et là, c'est le... Ah. Tu veux faire la voix? Ah, tu veux... Laisse-moi faire la voix de tapette, ce qu'il a, lui. Il a une voix de tapette? Oui, bah c'est une tapette, lui. J'adore comment tu parles de ce mec, c'est un champion d'arène, quoi. C'est un type insecte. Une ouais. Moi je t'avais comme une tarte. Allez, voilà. Mes remerciements les plus lyriques pour ton aide dans les égouts. Mes Pokémon insectes frémissent d'impatience d'en découvrir avec toi. Mais avant de commencer, laisse-moi te faire leur. L'œil rond et luisant de Krabby Coq dissimule une volonté de fer. C'est Krabby Coq, mec. Krabby Coq, on s'en fout. Et Manternelle, ma carte maîtresse, ma muse verte, alliance de puissance et d'empathie. Qui fabrique des vêtements avec des feuilles pour ses petits amis. Et ne parlons pas du reste de ses exceptionnels castings. Timing. Allons que ce combat, on s'en fout. Alors que ce combat soit digne de mes plus grands chefs-d'œuvre. Oh. Dommage que t'entendes pas la musique parce que la musique des champions est assez épique. Ah, je vais cliquer. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à une pétasse, ouais, comme quand la manière dont il rentre au combat. Ah, mais ils sont au niveau 22 quand même, hein! C'est par contre, j'ai l'impression que Canino c'est très rapide. Donc après la reine, qu'est-ce que tu fais? Partie suivante. Ah, mais t'as la Sonus! Je rajoute quand c'est la grotte. Donc après, tu vas dans les égouts, je crois. Non. Ah non, tu vas sur la route, ouais. Ah ouais, t'as le désert et toi, ça. Le désert, ça va faire plaisir à Aquasonic ou alors à. Et t'as encore l'arène juste après le désert.
Mais ça devrait aller normalement. Deux arènes, je crois qu'on va faire deux arènes en fait. Ah. Si tu rushes bien le désert. Non, on m'appelle sur Skype, non. Est-ce que je suis en de pas déranger moi? Oui, t'en as pas dérangé. Merci. Donc bah écoutez, moi. On l'aura rushé, à moins qu'elle ait encore un Pokémon. Il est Monterlel. Il a encore. Merde. Genre Kanios il apprend colère. Ah ouais mais c'est dans longtemps en fait, la grotte électronique, je me suis bourré. Sérieux? Ouais, attends. C'est à l'avant dernière arène je crois. Oh culé qui fait mal. Quoi? Ah mais attendez, il est. Oh bah coup critique. 1902 points d'XP. Pouah. Gros feu. Yeah. La place du hurlement. Bon, voilà, on aura appris gros feu. Alors, que vois-je? Ah non, vas-y. Mec? Oui, quoi? Bah, j'attends la voix. Ah oui, non. J'ai moins que tu voulais pas la faire. Que vois-je? Une longue respiration et je me suis. Alors que tu es là, m'aidant dans la gloire et le triomphe. Un instant, ce tableau n'est pas parfait. Il manque ceci. Le match de ta reine, la dernière, toujours cette gloire. Sauvez-les. Auréole. Les couilles. Et c'est le match de cœur, hein. C'est sûr que tu vois des cœurs quand tu vois une grosse auréole sous les essais, c'est vrai. Ce badge sur toi, Déroule. J'ai un changement de voix bizarre. Attends, j'arrive pas à faire la voix alors. C'est pas grave. Ouais. Et puisqu'il est ton troisième, tous les Pokémon jusqu'au niveau 40 t'obéiront au doigt et à l'œil. Travesti, il a changé de voix. Mon aspiration, Léon Dégal. Qu'imagine la reste. On dit une mamie là. Survivre insecte, ça fait quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Et quelque chose qui m'a surpris quand même, c'est que les CT soient à utilisation infinie. Bienvenue dans Pokémon. Lanceur résiste et attaque. Lanceur résiste et attaque. Baisse l'attaque spéciale. Ouais, je comprends pas. Oh, ça a l'air d'une attaque de merde. Une attaque de tapette. C'est bon, on marche dans de la peinture là. Bon, bah voilà, bah on aura rushé quand même. En fait, c'est peut-être le site qui disent que dans les égouts il n'y a pas. Ça se trouve, il est. Par contre, on arrive à 18 minutes d'épisode, donc on va pas se lancer dans un nouveau truc. Je vais aller me soigner, puis on va commencer à explorer un petit peu la grotte. Enfin, où est-ce qu'il faut que j'aille là, techniquement? Bah, dans le désert. Qui est au-dessus? Oui, au-dessus. Ok. Qui est long. Like my planet. Ah, il est long et pas long en fait. D'accord. Parce que je te propose de faire le combat contre une personne assez importante. Oui, voilà. Et après, tu pourras le faire. Enfin, après, tu pourras arrêter. Bon. Alors, on va déposer la poreille, l'Happy Boing. Ce qui est sympa. Et ça fait quand même. Quoi 12 Pokémon capturés au total. Attends, on va voir. Pourquoi tu fais jamais te déplacer? Moi, ça me stresse. J'ai pas besoin de déplacer. Je sais pas, mais moi, quand je dépose un Pokémon. Lui, rat en l'air. Miss a dit que lui, j'ai pas donné de surnom. Alors pourquoi Tequila, petite anecdote, parce que c'est une femelle et que mon chien en vrai s'appelle Tequila, donc voilà. Ah, c'est comme ma chatte. Ouais. Et Bois, parce que tout simplement, Fade, je voulais l'appeler Boing, mais j'ai raté. Envolord, bon lui c'est même pas la peine d'en parler. Quacky, Tournegrin, Electlaine, Mouchoir. C'est dégueulasse. Nosferapti et Lappy Boing, voilà. Écoutez, on va mettre fin à l'épisode ici parce que ça fait déjà 20 minutes. Oh, le rival. Bah non, on va faire du suspense. On va attendre le prochain épisode. Je vous sauvegarde, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain. Allez, à bientôt.